C'est une mission magnifique, mais en même temps difficile. Donc les prêtres ne sont pas de Dieu, ce sont des êtres humains qui ont besoin de vos prières. Et avec Père Joseph, nous vous remercions déjà pour vos prières et nous nous confions à vos prières. Tout comme nos prières vont participer à votre sanctification, vos prières aussi nous sanctifie, nous aide à être meilleurs et à chercher toujours la perfection. C'est toi, Seigneur, qui me lave les pieds, Simon Pierre va lui dire ce jour-là. Bien sûr, nous n'avons pas vécu cette célébration comme on a l'habitude de faire en lavant les pieds. Et souvent, à chaque fois qu'on le fait, on entend cette phrase. Le Seigneur ne veut pas que ses serviteurs soient des orgueilleux. Oui, le Seigneur était le premier à laver les pieds de ses disciples. Et il nous apprend, à notre tour, de nous pencher et laver les pieds des autres. Oui, on a besoin que le Seigneur nous lave les pieds en tant que prêtre, en tant que fidèle aussi. Et peut-être pour réparer ce manquement à cause de la pandémie, une petite idée pour vous quand vous rentrez à la maison. Pourquoi pas se mettre en famille et se laver les pieds les uns des autres, se pencher vers les autres dans la famille, leur embrasser les pieds en disant avec toutes mes faiblesses, je veux bien me mettre à ton service, si tu veux bien que je te serve, si tu veux bien que je t'aime encore. Et je veux bien accepter aussi que les autres membres de ma famille puissent le faire à leur tour. Alors, pourquoi ne pas le faire dans notre famille aujourd'hui, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de le faire dans l'église. Si l'on veut